إلى ذلك صرح سفير فرنسا بالجزائر برنار إيمي بخصوص الهجوم الذي تعرضت له العاصمة البلجيكية بروكسل على أن الجزائر والدول الأوروبية تعزز كل قواها لمحاربة الإرهاب. التغطية كانت لإيمان عياش. Nos forces pour lutter contre le terrorisme. La France est en deuil, les drapeaux sont en berne à l'ambassade de France à Alger. L'Algérie a aussi condamné de la manière la plus claire, la plus forte ces attentats. Et donc il est important de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. C'est ce que nous faisons entre l'Algérie et la France, c'est ce que nous faisons entre la France et la Belgique et avec beaucoup d'autres pays qui ont un même objectif, lutter contre ce fléau. وفي ذات السياق وبخصوص الإجراءات الخاصة بتأشيرة شنغن أكد السفير أنه لا يوجد أي تغيير بخصوصها. Non, écoutez, je crois qu'il ne faut pas tomber dans des fantasmes. Les visas sont délivrés de la même manière à l'ambassade de France à Alger et d'ailleurs dans les ambassades européennes. Et donc ceux qui doivent voyager, ceux qui ont raison de voyager, ceux qui ont le droit de voyager, continueront de voyager dans les meilleures conditions. Ils restent les bienvenus dans l'Union européenne.